bon courage, hein, ceux qui veulent s'entraîner à chanter ça. Qui c'est qui avait chanté Je t'écris au piano? C'était Eva. C'était Eva, Eva, ouais. J'ai écouté. C'était un hasard parce que je dois. Moi, j'ai trouvé ça très fort malgré les critiques que tu as eues derrière. J'ai trouvé ça, moi, d'abord, un très émouvant et puis se lancer là-dedans, piano-voix. Je pense que Yvan Cassar, je ne sais pas si tu l'as vu, mais il a dû apprécier quelque part la démarche. Et, voilà, parce que la partie de piano de M. Cassar, elle n'est pas évidente quand même. Impressionnante. Donc, ensuite, un petit coffret où vous retrouverez tous les CD. Pour le Greg. On vous a mis un petit flyer sur l'association. Voilà, qui vous explique deux, trois petites choses. Et En fait, il vous explique les choses principales, que vous soyez là le 28, que vous soyez quelque part un peu dans l'histoire de ce qui se passe et de ce qui se passera le 28. Et puis, on vous a mis un petit badge. Portez-le dès que vous pouvez, même sur les primes, même sur vos jolis costumes. C'est le logo de la sauce. C'est la moitié d'un cœur et la moitié d'une aile d'ange. Voilà, c'est ce qui représentait le mieux Greg, quoi. Voilà, est-ce que vous avez des questions par hasard? Non? Voilà, il y a 12 sacs, hein, vous servirez. Merci beaucoup. Merci. Bah, de rien, c'est cadeau, c'est Noël avant l'heure. C'est Noël avant l'heure. Et puis, je sais pas, est-ce que vous connaissez tous les clips de Greg ou pas? Non. Et au quotidien, au quotidien, je devine que ça devait être quelqu'un qui. Qui se plaignait jamais. Jamais. C'est de là mon laïus. Bah, lui un peu. Vous savez, la Starac 4, il était avec des jeunes qui eux étaient dans l'histoire automatiquement puisque Greg était là. Donc il voyait un peu comment il fonctionnait. Et je vous avoue que Greg avait quand même un traitement un peu particulier parce que le matin il pouvait pas faire de sport. Par contre, il était en séance kiné, en séance aérosol. Il avait à peu près 2h30 de soins par jour. Et ça c'est quand ça va bien, hein, entre guillemets. Donc il fallait bien faire ses soins. De temps en temps, il allait à l'hôpital Foch pour faire des visites de contrôle. Vraiment, la production a fait des choses énormes pour Grégory. Ils l'ont bien mis dans... Mais il était toujours présent, etc. Donc il était difficile pour les autres qui étaient à la Starac avec lui d'arriver le matin en disant oh, « putain, j'ai un petit rhume ». Et là c'est vrai que de ce côté-là, dès qu'il croisait Greg, Greg arrivait, il le regardait, il souriait et il a dit qu'on passait à autre chose, quoi. C'est vrai, mais c'est pas que Greg, je veux dire, ces gens-là ne se plaignent pas. Ils vivent avec ça, ils se battent avec ça. Et effectivement, c'est ce qui fait que ces jeunes sont matures très très vite. Greg était quelqu'un de très mature assez vite, malgré les grosses conneries qu'il pouvait faire pendant la Starac. Mais quand c'était pouvoir avoir des discussions d'adultes confirmés, voilà, mais ils sont tous comme ça. Pas simplement ceux qui ont un écho, tous ceux qui sont malades, généralement, quand il y a une force quelque part. Quand ils sont confrontés très jeunes à la maladie, quand ils sont confrontés à ça, dans la tronche qui est voilà. Ce qui fait qu'effectivement, à la Starac 4, on n'a pas trop entendu les gens se plaindre pour des petits problèmes. C'était tout à fait normal. C'était un peu. C'était dans l'histoire et c'était comme ça que ça se passait. Et le quotidien d'un malade de muco, c'est ça, hein, c'est 2h30 de soins par jour quand ils n'ont pas de complications. Quand ils ont des complications, c'est des séjours dans les hôpitaux, c'est des cures d'antibiotiques par intraveineuse, c'est des séjours assez longs dans les hôpitaux. Voilà. Ensuite, ils reviennent, ils reprennent leurs activités, scolarité, leur activité professionnelle. Et c'est toute une continuité comme ça. Imaginez voilà. Quand même que pendant la tournée, Greg, il avait donc 1h30 de show à faire par jour, le soir, qu'il se levait le matin et commençait par une séance kiné, qu'après il y avait le déplacement, il arrivait sur place, c'était une autre séance kiné. Après, il y avait un échauffement de la voix, les différents médicaments, je vous passe les détails. Avant de rentrer sur scène, c'était une séance kiné. Et après, c'était une séance kiné. Et le matin, au réveil, quand toute la production, les techniciens, etc. se levaient, mettons à 7h, lui, il se levait à 5h30. Moi, j'étais là, donc, avec lui, pour lui faire les soins, etc., pour qu'il puisse aller... c'était assez compliqué. C'est pour ça que les séances dédicaces, des fois, après les shows, c'était assez hard, parce qu'il était naze. C'était un peu compliqué à mener, mais je pense qu'on l'a très bien géré. Voilà, il a pu faire sa tournée correctement. Bon, on va écouter un peu de musique et regarder un peu des images. Ouais. Il y a une télécommande, je suppose. Voilà. Je fais comme chez moi, hein. Oui. On va regarder. En fait, on a fait.
je ne sais plus, 5 clips avec Greg. Bon, ça, ça passera pas. Hein. On a fait 5 clips. Et on en a refait 2 autres depuis qu'il est parti. On a peut-être un que vous avez vu avant d'entrer dans le château qui s'appelait De temps en temps. Et depuis, on a fait un autre clip qui s'appelle Le Lien. Voilà, qu'on a été tourné une fois de plus au Canada. Simplement parce que le réalisateur qui avait écrit ça était, était juste super impliqué et imprégné de cette chanson. Et voilà, enfin, on vous montrera ça après. Et on vous montrera 2-3 extraits de live aussi après. Il faut savoir qu'il a fait 4 Olympia complets. Mettre dans l'ordre en fait. Le premier c'était écrit l'histoire. Il y a moyen de monter le son ou pas? Ah, voilà. Merci. Faudrait-il me voir, m'oublier, m'approcher, me croire, m'inviter, ne pas savoir quand viendra la fin. C'est toi qui choisis de rester me laisser ici. Il y a un petit décalage parce que le son passe par. C'est toi aussi qui sais, mais c'est bien. Que veux-tu que je fasse? M'effacer ou m'avancer pour être dans ta trace? Tout te dire ou bien me taire? Que veux-tu que je fasse? Écris l'histoire. Premier clip, premier baiser de cinéma quand même. Hein. Bah, je dis, ça c'est. Voilà. Juste pour l'anecdote, baiser de cinéma, on a fait 8 prises. Comment? Ben, il avait du mal au début. Le premier, ça a été fou rire général, et puis au fur et à mesure, ça. Par contre, après, c'était bien. Ah, la 8e prise, elle était bien. Hein. Ça. Je suis en vie, tourner à Marseille.
a été tourné entre deux soirées de tournée Starac. Il était à Marseille et le lendemain, il a tourné. Tourner en 6 heures entre deux concerts de la Starac. C'était court. Alors, accord perdu, petite anecdote. Je voulais absolument emmener Greg en fait au Canada parce que c'était un pays qui, voilà, c'était un peu le bout du monde pour lui. Donc on est parti à Montréal, tourner ce clip-là, début octobre 2005. Et on devait avoir normalement l'été indien, c'est-à-dire 18-20 degrés, enfin super quoi. On a eu zéro, de la pluie, et voilà. Et là, c'est 3 jours de tournage. Comme on dresse un être
Du bruit que ça a fait dans la mer. C'est ça, dans le livre, j'ai annoté un peu de trois choses parce que c'était un tournage. On est parti 6 jours en tout. On a tourné trois gros après-midi de tournage. Il y a beaucoup de plans en fait. Et comme c'est une espèce de road movie, en fait, le scénario, c'est pas chercher ses potes pour aller jouer en haut d'une montagne et s'éclater quoi. Et ça a été un bordel à tourner, mais alors. Enfin, vous connaîtrez ça, tournage de clip. C'est génial, mais c'est un peu le bordel. Et ça, c'est le duo avec Lucie Silvas qu'on a tourné à Londres. Ça fait un carton, ça. Super chanteuse. Vous connaissez, non, aussi ? Je connaissais pas avant. Les images ont vraiment été tournées dans le train pour aller à Londres, ces images-là. Ah oui. Tout en cachette des contrôleurs, parce qu'on n'avait pas d'autorisation. C'était leur... Ils s'étaient jamais rencontrés avant.
est arrivé à Londres pour tourner le clip, il se connaissait pas. Ouais. Elle parle pas français, elle parle pas anglais. Tout s'est fait par un studio interposé de Vio, et ensuite ils ont fait le clip. Ouais, anglais. Ils s'envoyaient des messages en français et en anglais. Enfin. La dernière scène où ils sont morts de rire, c'est juste que Greg avait la main qui pendait et il a refermé le piano sur les mains de Lucie. Juste, elle avait un concert le lendemain, tout va bien. Donc là, il nous reste très peu de temps, donc on va zapper le dernier clip. On va regarder un peu de live. On les a Non. Il ne veut pas nous laisser le DVD? Et non. J'en ai, moi. Ouais, je sais pas. On regarde un petit bout de live. Un petit peu de live. Un petit bout de live et puis... Allez, un petit bout de live. On vous enverra un DVD. Cette opération est interdite, bien sûr. Est-ce que tu veux une claque? Voilà. La morale de l'histoire, c'est que vous avez vu qu'on peut être moche, puis bien chanter. Ok. Donc tu veux y aller comme ça On regarde quoi? Je t'écris? Ouais, je t'écris. Ouais. Sa mère, je t'écris.
les yeux émerveillés de cette petite fille au pied d'un grand sapin sous la 5e avenue. Je t'écris le départ d'une valise oubliée. Je t'écris d'un lac blanc où se coupe le patine. Je t'écris dans des airs où l'épave d'un bateau se souvient de la mer. Je t'écris d'une terre où la maison s'écroule. Je t'écris de Venise où les âmes en s'éveil sont de vieux clochers et les neiges peut-être encore cette année. T'écris de la mer au large de Gibraltar, le regard vers Tanger. Je t'écris de l'Afrique pour moi par milliers. Les quatre coins de la terre, je t'écris des tranchées de guerre abandonnées. Je t'écris d'un baiser de ce banc de Paris où deux âmes s'enlacent dans leur éternité et que rien ni personne ne pourrait déranger. Je t'écris d'un café, de l'aile d'un avion où nos mémoires s'enlacent dans ton éternité et que rien ni personne ne pourrait m'enlever. Je t'écris de la rue où l'on danse si l'on chante. Je t'écris du plumier, le meilleur solitaire, la chambre oubliée. Je t'écris de la part de ces dieux impuissants au nom desquels on tue. Je t'écris de la main de ces hommes de paix qui n'ont pas renoncé. Je t'écris de la Seine, la tour Eiffel y brille dans des reflets passés. Je t'écris du souvenir d'un baiser par milliers. Les quatre coins de la terre, je ferai un tour du monde d'un jour très ordinaire. Je t'écris ébloui par ton humanité.
un aperçu. Vous partez pas avec. Eh si. Vous n'avez pas le droit de regarder des DVD de toute façon. Non, ça c'est pas vrai. Vous avez le droit de rien. Une chose que je voulais vous dire, avec ce qu'il faisait sur scène, notamment ici à l'Olympia, c'est pas venu comme ça, c'est pas venu tout seul, même s'il avait quelque chose d'inné quelque part. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, profitez-en, profitez un peu de ces deux lascars, par exemple, comme ils sont là. Pas lui, elle oui, mais lui non. Parce qu'il a beaucoup appris, je dis pas ça parce qu'ils sont là, mais il a beaucoup appris à leur côté, et voilà. Même si Mathieu trouve moche Grégory, pas bon chanteur. J'ai jalousie, déjà tout le temps. Il a... Mais Greg pensait la même chose de lui. Hein. Voilà. Mais c'est vrai. Je c'est pour ça, quand on vous dit profitez-en, vous avez des. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, mais vraiment profitez-en. Merci beaucoup. Merci. C'est nous qui vous remercions de nous avoir accueillis. On va vous laisser avec les deux énergumènes. Voilà. Et puis, de toute façon, on sera amené à se revoir avant le Prime, quoi qu'il arrive. Ok. Antoine, salut. Pierre, à bientôt. Au bon Prime. Change pas, toi. T'as t'es top. Oh, oui, c'est ça. Au revoir. Travaillez bien. Continuez bien. Merci. Vous avez mangé au moins? Salut. Vous n'avez pas mangé encore? Oui. La bonne répète. C'est hein. On a mangé. C'est hein. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt, les garçons. Il y a du boulot sur le t'écrit. Hein. Mais c'était bien de le faire. Ciao. Salut. Ciao, Pierre. Salut. Ciao. Au revoir, monsieur. Tu voulais peut-être que je chante une chanson avec toi? On est pressé là. Oh, dis donc. Hein. Salut, Matt. A bientôt. Au revoir. Travaillez salut, bien. Quentin. On embrasse les petits. Ouais, ce soir, ça va être fou. Okay. Tu ce t'appliques soir, pour une fois? Je ne l'ai pas trouvé. D'accord, ok. Tu t'appliques, Pierre? Oui, je m'applique. Bonne route à tous. Merci. Rentrez bien. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.